more. Excellent. Bienvenue dans la zone de la souffrance. Vous êtes chez nous. Stronger as you go. C'est la nature humaine. Nous évitons la souffrance, mais ici nous la cherchons et nous la voulons. C'est le contraire de la nature. Bienvenue chez moi dans la zone de la souffrance. Bienvenue dans la zone de la souffrance. Vous êtes chez nous. Tu sais, cet exercice a du potentiel. Tu descends vachement et il y a un certain angle de travail. Ouais, tu as une bonne extension. Bien cet angle de travail. On arrive à être très explosif comme ça. D'ailleurs, j'ai une machine chez moi où cette partie-là est plus droite. Ça fait plus mal derrière les cuisses. Cool. Okay. Je me sens mieux échauffé. Maintenant, on va faire du vrai travail. Ok. J'aime bien les répétitions partielles. Une autre chose à changer, c'est le dossier. Tu peux l'enlever pour avoir un nouvel angle. Qui fabrique ces machines? Un mec de Los Angeles, quelque part par là. Ça ressemble à du matériel européen. Elles sont comme des voitures, Mercedes, BMW. Pas de modèle japonais bas de gamme, on n'en veut pas. Mercedes, BMW. C'est cheap, sinon. Ok. Pretty freaky. Thank you very much.
On ne peut pas faire de répétition négative sur cette machine. On arrive bien à accélérer le mouvement. C'est explosif. À la salle, il devrait y avoir plein de machines différentes pour les cuisses. C'est une bonne idée. Tu sais, elles seraient toutes alignées les unes à côté des autres. Tu fais une série de chaque? C'est l'idée. On voit de moins en moins le strie avec chaque série. Mais il ne m'en faut pas beaucoup. Il faut continuer et continuer jusqu'à ne plus pouvoir bouger. Tu veux ce truc? Ouais, je le mets au début et puis je l'enlève vers la fin de la série. Là, je croyais qu'il tombe à chaque fois. C'est un peu comme si on faisait des sprints. 100 yard dash. Ça travaille les fibres blanches de la même façon. Ça me rappelle les machines que j'utilisais dans les années 70. Might be close to the last one. Okay. I'd help you up there, but I'm trying to hold this back. Oh, that's fine. Okay. Big finish. I know. I feel like
like I don't even know how they work. No. Répétition partielle. Si tu voulais aider quelqu'un sur cette machine, comment le ferais-tu? Là devant, comme ça. Comment tu fais? Tu soulèves les poids? Ouais, les disques ne glisseront pas. Est-ce que la machine bouge beaucoup? Oui, il faut quelqu'un derrière pour la bloquer. Pour une série, alors. Allez, celle-là, c'est la bonne. Les autres, c'était pour rigoler. Je vais essayer de la soulever. Si j'y arrive pas, je te dirai de m'aider. So much for the salesman. Oh, shit. I want to try to move it. Tu soulèves et puis tu relâches, hein. How we move it. Okay. So pull it up, let go. Pull it up, okay. Let go. Okay. I mean, not much left. I just want to keep me moving. Oh, oh, this thing. Ah, mercy. Sick. Come on. Non, je crois pas qu'on ait réussi à tordre la machine. Is it okay? The last one, this is it. This is the last one. This creates more resistance, that's all. Yeah, yeah. I want it. Yeah. Two. Beat harder. Good. Five. Six. Okay.
right here. Can't do any more of those. That's all I did. Oh, I see. Ça me rappelle une machine que j'ai fait pour moi dans les années 70. Elle est chez Joe Gold maintenant. Il n'y a que mes partenaires d'entraînement qui s'en servent. Elle est comme une Chevrolet. Énorme, solide. Elle est même pas très esthétique. Elle n'a pas le look moderne, mais ça n'a pas d'importance pour moi. Je pense que c'est l'attitude qui compte. C'est pas grave si elle n'est pas profilée comme une Ferrari. C'est l'attitude qui compte. Maintenant, on va passer au squat. Sort of stretch it out. Good, Leo. Oh, yes. See how it feels. Let me grab one. Makes a big difference doing this. C'est très important de faire les squats après les extensions. If I do these before extensions, si je les fais avant, je ne peux pas faire les extensions comme il faut. De plus, comme le dos est encore fort après les extensions, tu peux bien le maintenir. Et pour les chaussures, quand j'étais en Russie, j'ai vu que tout le monde mettait des chaussures comme les tiennes. Mais on voit jamais les culturistes ici avec des vraies chaussures de squat. Bah, à mon avis, c'est une des plus grosses erreurs que font les culturistes. Elles te stabilisent. Le talon remplace la planche que les culturistes utilisent. Plus grande est ta stabilité et plus tu effectueras ta montée comme un piston. Tu peux pas te permettre de déséquilibrer et finalement faut que tu restes droit, raide comme un i presque. Très droit, comme le piston, vraiment. Sans bouger.
Et ça empêche les pieds de glisser aussi. Oui, oui, je pense que tous les sports, l'haltérophilie, le powerlifting, le patinage sur glace, ils ont chacun des chaussures spécialement adaptées. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est le moment d'aller à l'église. Allez, on va voir Dieu. Go. Oh, no, we're sick, man. You want to watch again? One or two? Yeah, I think I'll be okay, but just... Just to make sure? Yeah. Oh. Hey, buddy, time to go to church. Let's go see God. Okay. Trying to get my angle right there. Usually I had something wrong with my back. I get a little bitty irritation in my behind the bar. Okay. I just watch you one or two. Huge. That's good for now. C'est vraiment dur de faire les squats après les extensions. On dirait qu'il y a 200 kilos sur la barre. Il y a une chose que j'ai vue en Europe, c'est que tous les mecs qui font des squats, tu sais, ils ont tous des cuisses énormes. Ils font vraiment des squats complets. Bah alors qu'ici, aux États-Unis, les culturistes ne veulent pas descendre en dessous de la parallèle. Mais enfin, toi, tu squats assez profond. Not going down further than parallel. And I noticed that when you squat, you go down pretty deep. I always believe the full J'ai toujours cru que les squats profonds étaient importants. I mean, science would tell you... Physiologiquement, un mouvement complet travaille tout le muscle. Fuller movement, or a movement at all, is because of time, the time factor. Les petites répétitions et les pauses sont bien aussi, c'est une question de souplesse. You know, but the pauses reps actually add to muscle fusion and development. L'haltérophilie a besoin d'une bonne souplesse pour avoir un bon mouvement. Moi, je travaille plus par instinct. Il faut travailler à une amplitude maximale. Mais ça, c'est important pour obtenir les meilleurs résultats. Et je ne recommanderais certainement pas de squatter au-dessus de parallèle sur une base régulière. Mais je vais surtout par instinct. Je travaille toujours par instinct. Full range is relative to the joint flexibility. Uh-huh. And I guess that's the answer. Well, because you know? Over in the Bulgarians. Avec les Bulgares, on parlait des risques de blessures. Ils disent qu'il y a moins de risques si tu descends le plus bas possible. Ils disent que le fait de s'arrêter à mi-parcours peut occasionner des blessures. Un squat complet est mieux. Et je pense que ce qui se passe ici, aux USA, c'est que les gens ont peur de l'effort. Mais ils n'ont pas de problème de genoux ou de dos. C'est que le squat est le mouvement le plus difficile à faire. C'est pour cette raison que les culturistes ne veulent pas descendre trop bas, c'est encore plus dur. De toute façon, je pense que le squat complet, c'est vraiment le mieux. That makes sense, yeah.
Et aux USA, il va falloir qu'on s'y mette, c'est sûr. Et tout le monde devra s'y mettre. Et ils trouvent toujours des excuses pour ne pas les faire, les squats. Je suis fatigué, c'est mauvais pour le dos, c'est mauvais pour les genoux. Toutes les excuses sont bonnes. I'm just gonna one more plate. That's as high as I can possibly go today. En 1975, je me rappelle que je sortais les bancs de la cage à squat et tout le monde me regardait. Ils disaient, qu'est-ce que tu fais? T'es un culturiste, t'as pas besoin de faire des squats. Tu sais, à l'époque d'Arnold, ils voulaient un gros buste sur des jambes fines et longilignes. C'est uniquement ce qu'ils voulaient, finesse et longiligne pour les cuisses. But it's funny how. See what you did? You changed all that. Yeah, really? God damn it. Sorry. Never knew I was doing that. Je vais mettre cette serviette sur la barre parce qu'elle me fait mal au cou. My favorite squat towel. You put your head through that? No, that's where the bar word from the bar. I hate to throw it away. It has a lot of meaning. I'm serious, you know? Around a long time, see a lot of bars. Yeah. I don't know if this is gonna work or not. Let's make it not too many reps, just a few. What I need you to do, I'm gonna go under there. Okay. And I want you to flip that thing behind me. Like my head will go here. Flip it back behind my head. I can make sure this is straight. So in other words, I'm gonna flip it this way behind you. So it hangs over your back, or do I? Yeah, that way. Let me see. Yeah, actually, that way. Hang it over my back. I'll show you. We'll do it. Figure it out. No big deal. Okay, right over my back. Right now? Yeah. Am I coming on this side of you? Yeah. There you go. On top. Over the bar. Yeah. Like that? Yeah. Hang it down that way. Yeah. That's good. Is that okay? Yeah. It's perfect. It's like Superman. Let's go. Pull the towel out a little bit, okay? Okay, good. That's good. Let's go, Tom. Oh. I had a hard time getting my positioning today. I think sometimes I get that soreness in my upper area there. Yeah. I just keep playing with it until I get it. Okay. Okay, I got it. Yeah. Oh, yeah. Yeah. Les extensions ont bien épuisé les cuisses. Elle est intéressante, ta technique.
où tu t'arrêtes à mi-parcours, là. J'ai jamais vu ça avant. C'est bien, c'est intéressant. C'est le plus petit nombre de répétitions que j'ai fait avec ce poids. On dirait qu'il y a une tonne sur cette barre. C'est à cause des extensions. Encore une série. Juste pour sentir le poids. With the bar or the towel? No, I'm gonna do it off the towel. Oh. Yeah. So. Excellent.
Okay. You know what's happening? My legs are tired. Vraiment, je ne sens plus mes jambes. Elles sont lourdes, elles sont fatiguées. Usually my legs take over. When the legs are pretty exhausted, everything else wants to push away. Interesting. You're sick, Tom. It's not interesting. Think about that. So many guys do legs thing first like we did today. Quand je pense qu'il y a des gens qui trichent pour muscler leurs jambes sans faire de squat. Actually, you avoid using their legs. They do good mornings. Yeah. Quand tu mets trop de poids sur la barre, tu te penches vers l'avant. Et c'est ça qui te donne un gros cul. T'en as marre? T'en as assez? You're close. Ouais. I had enough for leg extensions. Yeah, I did too. I think leg curls yesterday had something to do with it. And the other two. Mais on va en faire une dernière, allez. I just amazing how it feels when you're like free. It's like nothing's there to drive with, you know? But let's take it to another zone. This is the last time. C'est la dernière fois, allez, on en refait une. Don't stand too close to me, okay? Ne te mets pas trop derrière moi. Hein. Cette cage me gêne aussi. Je vois les supports dans mon champ visuel et puis le fait d'être entouré en sécurité, ça diminue l'intensité et la peur de l'exercice. On est plus motivé quand on n'a pas de barre de sécurité. Ouais, et puis le fait d'être entouré, vraiment on sent sécurité. Tu sais, les Bulgares m'ont dit que la meilleure motivation, c'est de voir une belle fille entrer dans la salle. Et ils ratent jamais leur barre comme ça.
for the guys lifting over there. Yeah. To have a good looking girl walk in the room. So they never fail. Yeah. They never fail. Well, that's a good reason for girls coming in. Bah, c'est une bonne excuse pour avoir de belles filles dans la salle, quoi. It could be a distraction. Que ça peut être une bonne distraction. The thing you can use it for you or against you. Yeah. No, I think these guys are so focused, they don't. They look right through you. All right. Okay. Let's get a few reps. Hang on. Okay. Let's go. My butt. I never do that. I think. It's an experiment. That's exactly. Never had that experience. Je n'ai jamais eu cette réaction. Where my butt wants to get in there. Usually my leg take over. Mes fessiers dominent la situation. Il aurait fallu que je préfatigue mon cul. Keep wanting to get in there. It's like. Mais comment? Il faudrait étudier les différentes façons de pré-fatiguer le cul. If anything, you should pre-exhaust your butt. What t'as une idée, toi? Peut-être en s'asseyant, tout simplement. Sit down for a while. It's a concept. Okay. This is just educational set now. Okay, educational set. What does pre-exhaustion do to the organism? La prochaine fois, on commencera par ça. C'est pas sérieux de faire moins de 50 répétitions avec 315 kilos. C'est ça la pré-fatigue. Good set.